Monsieur, monsieur. Je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa, qui peut ainsi reconstituer ses collections. Elle marque le début symbolique d'un renforcement dans la collaboration culturelle et muséale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Balance le micro. Alex. Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Alex. Lors de l'allocution du roi belge, ce que j'ai retenu et ce qui m'a beaucoup plus étiqué, c'est en allant vers ses derniers mots. Il a dit qu'il n'a pas oublié tout ce qui s'est passé. Alors, il se rappelle parfaitement de notre passé qui était si tragique entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Solution na kati ya Congo asunga ba kontina biso pona mboka etambola malamu.